Il y a quelques heures, vous partiez d'une planète brûlante, et maintenant vous atterrissez ici. Vous découvrirez que c'est une planète glaciale. Regardez-moi ça. Pour tous les verbes et à tous les temps, on trouve une terminaison. Tu as vu, papy? Cette planète est super glissante. Lily, ici je suis Capitaine Kourou. Il va recommencer? Il descendra, tombera et rebondira? Ra à la troisième personne du singulier. En voilà une découverte. Tu tombes? Jules tombe? Mais vous tombez tous! Les terminaisons changent, mais une partie du verbe reste la même. Celle qui donne du sens au verbe, sa base. Et au présent, les verbes du premier groupe, comme tomber, ont souvent une seule base verbale. Attention! Jules rebondit! Oh! Vous rebondissez tous les deux! Jules! Tu dois arrêter de jouer! Vous devez explorer cette planète! C'est ce que tous les astronautes doivent faire! Regardez! Les bases verbales ne sont plus du tout régulières! Eh oui! En général, au présent, les verbes comme rebondir ont deux bases verbales. Certains verbes plus irréguliers peuvent avoir une, deux et même trois bases, comme devoir. Ils sont rangés dans le troisième groupe. Ce n'est pas sérieux. Moi, à votre âge, je volais en fusée. Je parcourais l'univers. Et je partais à l'aventure. Et tout ça à l'imparfait. Nous avons changé de temps. C'est encore le passé, mais le passé simple cette fois. Regarde bien. La base du verbe, elle, n'a pas changé. Oh! Alice prend froid. C'est le verbe « prendre ». Comment dit-on au passé simple? Elle prie. Au passé simple, certains verbes se transforment tellement qu'on ne les reconnaît plus. Donc, pour les reconnaître, il faut les apprendre par cœur.